La nouvelle exposition israélienne consacrée à la Shoah sur le site de l'ancien camp nazi d'Auschwitz a été inaugurée ce jeudi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Elle est située dans le bloc 27, l'un des bâtiments où les prisonniers étaient entassés. Lors de son discours, dans un lieu où près d'un million de juifs ont péri, le chef du gouvernement israélien n'a pas caché son émotion. Me retrouver ici avec ceux qui ont survécu, être dans le bloc 27 avec ceux qui ont connu ça, c'est exceptionnel et je suis très ému. Et quant à ceux qui nient l'Holocauste, laissez-les venir ici. Laissez-les lire les noms, un par un. Dans un esprit minimaliste, cette exposition s'étale sur plusieurs galeries où le noir et le blanc dominent. Photos, vidéos, témoignages, pour montrer et expliquer la Shoah, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a largement fait appel au contenu multimédia. L'une des salles recouvertes de dessins est dédiée aux 1,5 million d'enfants juifs morts dans l'Holocauste.